Nous sommes à la travers vidéo Oyo partout aux Alélis, aux Alélis dans Congo démocratique, aux Alélis dans Congo Brazzaville, aux Alélis dans France, aux Alélis dans Europe Mobimbané, aux Alélis dans États-Unis d'Amérique, aux Alélis Wapi et en Océanie. Topé sur mon côté, ce que vous allez congolais, ce que vous allez kaka, mon rambis soit lingala, mon oko oyo, et les kelling n'a pas mis nos cognons surtout à Mokili. Alors, tous allez à Kinshasa, capitale Nabiso, et à République démocratique du Congo, batata ba mama, comme vous le savez, Biso Magazine Nabiso, bon côté de l'histoire, tous allez pour nous soutenir, bah, effort fourni par le gouvernement, c'est-à-dire, bah, autorité n'yon surtout. Tant autorité, il y a pas mal de gens aussi qui m'ont posé des questions. Bongo neti biso ba chef du quartier, neti ba bourgmestre bani. Non, nous sommes là pour encourager tout le monde. Nous sommes là pour encourager tout le monde, je dis tout le monde, toute personne qui est à la gestion de la chose publique, nous allons pour nous soutenir, pour encourager l'effort que vous allez fournir. D'ailleurs, à travers cette émission, je salue le bravoure de madame Pepito Kilala, qui est bourgmestre de la commune de Kintambo, tout ce qu'elle est en train d'apporter comme apport pour la contribution, pour qui m'a écouté, pour moi, mais avec sa présence, déjà, nous sentons que les choses avancent très bien. Madame Pepito Kilala, merci beaucoup pour le soutien. Nous sommes là pour encourager ceux qui travaillent. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, les sujets que nous allons pouvoir aborder, c'est les sujets qui font mal, très mal. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Elobeli, tout va sortir médiatique, il y a Ndeko Nanga Oyo, Azala qui est président, il y a Commission nationale électorale, il y a indépendante, il y a mandature Oyo Tio Legato, il y a 2018, Monsieur Nanga Elobeli Naye, ils ont choqué Batu Bele Bele Bele. Mais une chose est vraie, Ndeko Tobaki, tous allés au bon côté de l'histoire. Moutou ya malonga na vie naye. Baye bakaye kaka partir à maloba zoloba. Ndenga ta Félix soise kwa loba. Eza na muta sambaka na maloba te. Elongia mutu pe sambaka. Mais, à travers cette interview, mesdames, messieurs, na koti ke la bino toyoka extrait ya maye ndeko nanga alobaka na micro ya Jean-Marie Kasamba, DG ya Télé 50. Peto koyoka mayeli suso alobi ke yepe azalaki co-auteur ya accord oyo président Félix Tshisekedi na président sortant monsieur Kabila Kanambe oyo abomi mboka na biso. Je n'ai pas honte de le dire et je n'ai pas honte d'être contredit un jour. Alors, on va d'abord suivre cette interview de monsieur Nanga na Télé 50 comme je viens peine de le dire. Toyoka mae alobi et puis tozonga to mekako décortiquer et en plus de cela tokotanga la pebino accord oyo basinyaki. C'est parti. Venons sur les résultats. Oui. Le président Tshisekedi est chef de l'État, mais il y a une majorité qui appartient à une autre famille politique. Le FCC. Il faut signer un accord politique, c'est l'accord de gouvernance. C'est de cela dont Nanga a parlé. C'est de cela dont Nanga a parlé. Et c'est ce que Nanga sait. Qui est un autre accord, Nanga ne sait pas. Awa, Toyoki Ndeko Nanga, Ameki ko expliqué na beaucoup c'est l'accord qui existe entre le président Tshisekedi et le président sortant, ou le pouvoir sortant, il y a M. Kanambe. Bandeko. Naebite congolais aza muto muto ya mingi. Mais et ça n'a pas semi au monde que certaines personnes bazo linga bazo Congo to bazo ba congolais local ba ba tumoko boyase. Awa ndeko nanga zo lo bana biso malamu bien a lobby boye. Accord o ya yebi, l'accord politique lorsqu'on parle de l'accord politique parce que faut pas to mémaneti que le Congo c'est le seul pays na planète, tout en Afrique, où il y a que ça, là, tout qu'on signe accord politique. Nous voyons même comment Macron est en train de diriger la France. Vous voyez bien que Macron a une majorité. Et comme les Amboka, ils ont fonctionné, tout le monde majoritaire, ça, la coalition, va gérer Mboka ensemble.
Bozo mon appel par réalité ils ont tombé en France. Parce que, comme je viens de le dire, le Congo n'est pas le seul pays dans la planète, tout en Afrique, tout l'Afrique noire, si je peux bien le préciser. Alors, on a reconnaître que l'accord politique qui existait entre le pouvoir sortant et le président Tshisekedi, c'était un accord politique. L'accord politique, est-ce que Ezali, Libabe, tout Ezali Nini. Mais ce qui nous a plus intéressé, Nabadir Yandekonanga, deuxième fois, à Lobi Boye. Yé, Azali co-auteur, y a accord politique wana. Et cette fois-ci, maintenant, je vais vous demander à ce que Toreyo Kasikoyo, l'accord, accord yango, oyondeko, nanga, azolo bela biso. Et puis, Bokoyo kape ba kombo ya bato yo, bazali na kati akor, soki ba témoin, soki ba nani, toyo ka soki pe kombo ya ndeko nanga, ezali. Et puis, une question. Si et seulement si il était le co-auteur ya akor wana, lui en tant que le président de la CENI, comment il devrait se mêler na makambo ya politique? Parce que lorsqu'on signe un accord politique, ya gouvernance, makambo wana était le président de la CENI, t'es? Président Seni Moussala Obazwe Lionet Ndeko Denika Dimepa Azali. Est-ce que Azali na autorisation moko oyo ba pesiye ya que soki lelo par exemple AFDC bazolinga ba sala alliance na bakota musuna INC to na IDPS il fallait Ndeko Denika Dimaya wana. Je ne pense pas et je ne sais pas bato baza na maîtrise ya loi to ya mibeko bo ripe ko songa biso. On va écouter ce qu'a été le propos surtout dans cet entretien, c'est une émission qui a été diffusée quelque part mais bon, on a pu trouver ça sur les réseaux sociaux. Toujours on pense la partie nous a plus intéressé. Toyoka accord en haut nini lobami pe boyoka ba soi-disant ba témoin bazala ki wana toye basikoyo comment bazo sakana na peuple congolais bazo milse biloko azo meritete. C'est parti. Accord au lingo tanga. Alors j'aimerais lire l'accord en question parce que tanga. Nanga avait promis que l'accord sera publié et finalement j'ai cet accord ici. Accord allez-y. Pour la stabilité et la paix au Congo entre les sous-signés monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, autorité morale du regroupement politique camp pour les changements Cache, ici dénommé, premier sous-signé d'une part, et M. Joseph Kabila Kabangé, autorité morale du regroupement politique Front pour le Congo FCC, les dénommés deuxième sous-signé d'une part. Il a été convenu et arrêté ce qui suit. Pour une passation des pouvoirs civilisés, une alternance durable et pour la stabilité et la paix en RDC, les sous-signés des premières parts acceptent les conditions suivantes. Article 1. Immunité totale pour les clans Kabila, famille, entre parenthèses, famille et dignitaires de son régime. Pas de poursuite pénale pour tous les crimes possibles commis, crimes de sang, crimes économiques et autres. Article 2. Concertation entre les deux leaders, Tshisekedi et Kabila, avant toute mise en place, notamment dans les services de sécurité, armée, police et services de renseignement, magistrature, entreprises publiques et territoriales. Article 3. Soutien lors de la présidentielle de 2023 par la famille politique de Tshisekedi de la candidature FCC, famille politique de Kabila. Faite à Kinshasa, Kingakati, le 8 janvier 2019, Félix Tshisekedi Tshilombo. Témoins internationaux, Uhuru Kenyatta, président du Kenya, Al-Sisi, président de l'Égypte, Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, témoin nationaux, Delphin Kayimbi, Célestin Mbala, John Numbi, Ami Sukumba. Merci beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez bien suivi avec intérêt. Article Nyonso Oyo et Zanakati Accord Oyo. Ah, Bandeko. Ça m'étonne, jeu de migraine, de constater que, voire même Bato Toto Respecta Kamingi, Bato Toto Kansaka Bazali, ba professeur en droit,
bazali ba docteur en droit baza na maîtrise a mibeko ça dit mibeko za lokwa bilei na bango bazoku ya pe na mitambo ya boye neko tozonga kana ba propos ya Corneille Nanga parce que yango ne mutu eluki ba sipitation nyoso ezalelo totu nanana le pouvoir était entre les mains de monsieur Kanambe c'est lui qui gérait yende mutu a organisé ki ba élection boye bisabiso nanu Félix Tshisekedi azalaki na ye na bokonzi mokote azalaki ni chef du quartier qui devrait chercher l'autre pour négocier. Par là, c'était Kabila ou c'était Tshisekedi qui était allé chercher Kabila? C'est une petite question. Bon répondre, Bissot. Deuxièmement, total, tu as réfléchir à haute voix. Pour te comprendre, tu as dit que les Congolais sont en train de se faire. Non, les Congolais sont en train de se faire. Les Congolais sont en train de se faire. Deuxièmement, tu as dit awa boyoki batangi ba témoin oyo bazalaki tango accord ba signaki ango le 8 janvier na Kingakati est-ce que toyoki kombo ya ndeko nanga ba propos oyo ndeko nanga atenaki liboso ya kolobake l'accord politique oyo ya yebi ezali ya ko gérer est-ce que toyoki ango na kati ya keno nanga zaki ko auteur et troisièmement tango siko tozo tala ba condition na article nyoso oyo pensez-vous que na omuke président Félix Tshisekedi a sali pona mboka oyo pensez-vous que pa na ye et kokwa ki koleka ça ne peut pas passer et par là on dira que batu oyo tozo benga la kabili bazo kanisa ki ba congolais baza kolala pongi o balalisa ki biso pendant 18 ans ya règne na bango to la muka la mukatoza la au bon côté de l'histoire. Pourquoi est-ce que Bakuki cochosifié congolais jusqu'à ce point? Qui est le preneur Nakati Makamboy? Et qui est venu chercher l'autre Nakati Akor Oyo? Et ce que pona silisa nakotuna pona nini ngo to genda maponami? Parce que ceux qui étaient dans le bongo, Ndeko Kabila pouvait planifier tout bonnement avec sa famille politique. Il allait imposer Chadari à ma président de la République pour protéger Nandenga Banda Oluka. Les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais ne sont pas dupes. Et n'a pas déclaration à Boye. Moi, je me dirais que Batloka, Corneille Nanga, partout où il est, il doit être arrêté. Aidez-nous à ce que cette vidéo parvienne à M. Nanga à comprendre que les Congolais ne sont pas dupes. Tosi to comprendre le jeu politique. Et quand lui était ici, na télé 50, il a dit que l'accord politique que lui reconnaît est l'accord politique et la gouvernance. On sous-entend déjà que non, il avait dit la vérité. Pour nani gatan wabimisko libanda, ndakomo bimisaba secret moussous. Il était le co-auteur, il était ça, il savait tout ça, il savait tout ça. En qualité de qui il pouvait être associé Nakati Akor Oyo. Parce que nous connaissons très bien. Bato Bazaki ba poids lourd Nakati FCC. Et Nanga ne pesait, il était nul. Ça je le dis. Parce qu'avant la CENI, Nanga Azaki Nani a occupé poste Nini, Oyo Malonga, Opena Keno Kongo et Baki. Mais non, les organisations. Donc, vous avez mal organisé les élections, selon vos propos, et surtout que vous avez trompé toute la nation. Mais, Ezali trahison. Nanga na bamboka musu neti boye, a ozala pendu. Na bamboka musu pena na haute trahison ya boye, a ozala pendu, parce que nous regrettons. Maintenant, on se dit, c'est que biso tokena miso ko voter ka pamba. Donc, bah, mais ça n'est pas l'élection, on va dire que c'est ça qui malou, pour lui, il est venu faire ça. Attendons les élections crédibles le 23 décembre de cette année. Et nous encourageons M. Denis Kadima, Yaroussala Moussala Nayakoum Sangoti Nasuka. Bino ba oyo, bozo linga, bokene na ba élection. Ndeko Martin Fayulu jusqu'à présent, position Ezoye Banate, a redéposé candidature, trop redéposé te. C'est ça le vrai problème. Donc, ayebisi batuba kendete, bandekomsupe balandie,
Et le losko a dinga beta chita sima a kende na ba élection. Ako kende to ako kende te. C'est ça la question penzembo. Ako kende to ako kende te. Ndeko faul ako kende to ako kende te. Or tozo zela epo ya ozo pouvoir. Alobi ke ndeko Félix a géré na malamuté. A sa ne pelo kwa malamuté. Ye aya bon sa biso Congo. Siko kana ba fente boy. Président ba fente boy pardon. Président ba fente boy a côté ka pe Congo net na fente. Toi, qui peux hypothéquer Congo, chers Congolais, il faut tout fondre la mise partout où nous sommes. Les élections arrivent. Kebana batouana toyebi bango bien. Kebana batouana depuis babima ba député, depuis bakoma ba ministre, nini ba salibso na ba base. Yango tan ozo kende ko voter voix na yo raisonner 5 ans. Vini nos anango, vini nos olukaos anango, musalani nos salaka, comment tu es payé? Il faut qu'on raisonne nyoswana. Ça dit, voilà, n'a moko, n'a aucun opé, ça n'a moutouka à pambate, pas son belinga, câble à courant. Bato ba pon kalate à baozonga, mais il faut te voter utile. Il faut te voter utile, nous sommes au bon côté de l'histoire. Et nous souhaitons vraiment bonne chance à Bandeko, nous sommes qui est postulé, mais tu as dit que 24 500 baozanga. Et na place à 500 personnes. Si tu as 24 500 au bago raté. Donc il faut aller pour postuler. Donc raisonner bien, bien pour raisonner. Sinon, tu es à la négociation. Comme toujours, à chaque fois, nous avons une émission, tu as dit que tu as dit Nenge nini ba kondina biso mboka bazo sala émission yuti oleka to lobelaki par rapport à ba initiative ba inauguration ya gouverneur ya Kasai Central John Kabe ya Shikai donc ba descente sur terrain ba dibaya ba nini azo beta ba tour ou azo sala musala na ye. Et cette fois-ci nous avons fait un petit tour au bas Congo na Congo Central et pa yo pi mwana mboka Gibandu Ndongidi azo kamba. Il faut tomber la bateau maboko. Tous à la likunyate. Ce qui moutou azo sala malam pour na mboka. Il faut tomber le maboko. Toti kaka komona kote a mabe. Et l'on a kam sanga isaka ke. Tant que moutou sali mabe, ba matsaka volume ti nasan. Wana pena kedo ba matsa pena volume ti nasan. Mais tant que moutou sala malam, ou komona bazui volume ba kitisi. C'est pour cela que je ne vais pas faire trop de commentaires. On va juste retourner de l'autre côté de la régie pour regarder, écouter, entendre de manière systématique ce qu'est en train de faire Guy Bandou Ndongidi, gouverneur et à Congo Central. C'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette page d'actualité consacrée aux activités du gouverneur de province au cours de la semaine qui s'achève. Le numéro 1 du Congo central, Dr. Gibandou Ndongidi, a réuni autour de lui le chef des entreprises évoluant dans tous les secteurs de la vie économique de la province du Congo central. Objectif, rappeler au respect de leur cahier des charges en ce qui concerne particulièrement la prise de conscience et la mise en œuvre des engagements de toutes ces entreprises vis-à-vis de la population de lieux où elles sont basées à travers la province. En perspective de la semaine congolaise du tourisme 3e édition qui se tiendra à Matadi entre fin octobre et début novembre 2023, il s'est tenu la réunion d'opérationnalisation présidée par le gouverneur de province Dr. Gibandou Ndongidi avec une délégation des acteurs évoluant dans le secteur du tourisme conduite par la directrice générale de l'Office national du tourisme ainsi que quelques membres de son cabinet. Avec comme objectif échanger sur les aspects techniques du projet semaine congolaise du tourisme 2023, c'était le vendredi 22 septembre en salle des réunions du gouvernorat de province. Toujours dans la série d'audiences, le numéro 1 de la province du Congo central, Dr. Gibandou Ndongidi, a échangé avec la délégation de l'église chrétienne Union du Saint-Esprit, écuse en sigle, conduite par son représentant légal Descartes Mavila. Au menu, plusieurs sujets essentiels, notamment la clôture de l'année liturgique de cette communauté.
Le chef de l'exécutif provincial, Dr. Kibondundu Ngidi, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2023-2024, saison A, hémisphère sud, qui vise à lutter sensiblement contre l'insécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire national le samedi 23 septembre à Mbandangungu. En présence du ministre national de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangu, et de plusieurs personnalités politico-administratives du pays. Dans la même journée du samedi 23 septembre, le gouverneur du Congo central, Dr. Kibondundu Ngidi, a assisté à la cérémonie des prestations de renouvellement de serment du premier président de la Cour d'appel du Congo central, le magistrat Benkanga Ilinga. Bonne nouvelle pour le sportif du Congo central en général et de Matadi en particulier. Le stade Damar reprend les activités sportives grâce à la levée de la suspension de la FECOFA. Et pour booster la chose, le premier sportif du Congo central, Dr. Kibondundu Ngidi, a donné un coup d'accélérateur en dotant un lot important de matériel de construction pour la bonne évolution de dits travaux. Cette livraison est intervenue les dimanches 24 septembre 2023. Merci beaucoup. Nous sommes de retour. Je crois que juste après nous, vous allez pouvoir suivre l'intégralité de cette interview réalisée par le gouvernorat du Congo central. Et là, nous saluons le chef de la communication du gouverneur, M. Danny Mabuidi. Nous poursuivons toujours notre intervention. Lelo, si vous allez na Congo central, vous allez trouver que non. Transco et Zanakatiakin, ils appellent Nakata Matadi. Nyosona to kokipe ko lobelangote. Insécurité banda kipe ko régner. Et poko gibandu azupe makambu to monike makambu evandi. Ba tebele bazay pe na mo ba difficulté ba kote misala makambu to ba régularisango. Ba to bazakuna ce sont des Congolais lokola ngana yo. Et kuna soke salemi wana za ope problème te. Mais ba Congolais misusuka ba vandi ba finansaka bango ba mbongo pour ba zapé ba activité ya ba autorité na biso mboka yango tolobi ozali chef du quartier, ozali gouverneur, ozali bourgmestre, ozali nani ozana poso contacter biso pe to ko sala to ko assurer visibilité ya ba activité na nyo soto sala. Nous sommes au bon côté de l'histoire. Ce que nous voulons, c'est que les Congo puissent aller de l'avant. Donc ba intérêt politique wana ke lokwa mutu wana za kuna za mutu parti a boyende bon wana etali biso te. C'est comme parmi de députés. Il y a des gens qui sont venus postuler parce qu'ils ont aussi des choses à faire pour Batoyo, te confier à qui Liboso, tout le monde qui va coquiner, va répéter. Et à travers cette émission, je souhaite bienvenue et bon retour au pays, na Ndeko, Eric Lukasi. La taille olympique, moi, je suis déjà mingi. Et cette fois-ci, ils ont un peu de temps. Je suis pour. Ba Congolais peut pas s'appeler Olobela Bandeko ya circonscription nayo et au sala Madame Mingi. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Moi, je vous retrouve à très bientôt. En tout cas, si vous avez apprécié tout ce qui s'est passé ici, disons tous merci au patron de cette émission. Lui, c'est Ogi Kayembe. Nous remercions également Mathieu Plis et à toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci beaucoup à Christian Bahati. Merci à Sam, à la caméra et Christian Bahati au son. Moi, je vous retrouve à très bientôt, surtout pour vous parler d'autres provinces.